Bonjour, moi c'est Mama Souka et Mamat de l'organisation Moi, Toi, Nous Ensemble Tchat. Je suis ici en qualité de représentant de notre organisation COP28, bien sûr, qui se passe actuellement à Dubaï. Ça m'a surpris de voir comment on appelle l'énergie solaire. Toute une structure hospitalière a été transformée, c'est-à-dire toute une structure hospitalière qui utilise l'énergie solaire pour alimenter cette structure. Ils n'ont pas besoin d'électricité. Pour ceci, certes, notre pays, pays saharien, qui, tellement que le soleil, tellement qu'on a de l'importance énergie solaire là-bas, on peut transformer ce soleil-là pour bénéficier de cela. Si on installe les panneaux solaires qui sont partout, si le gouvernement prend l'initiative d'installer les panneaux solaires à la place de l'électricité, à la place de la SNE, qui est tellement, qui nous fournit d'électricité 1% pour ne pas s'abuser de cela. Si les hôpitaux seraient occupés par cette énergie solaire, c'est très important. On peut quand même inspirer de cette initiative pour le faire chez nous. Nous sommes venus ici dans le cadre du climat, bien sûr, changement climatique. On peut quand même inspirer ça et revenir au pays. Le faire savoir que les gens d'autres pays aussi utilisent l'énergie solaire pour alimenter toute une structure. Alors, merci beaucoup. Seco Foundation, ça c'est Seco Foundation qui a transformé ça, qui a transformé l'énergie solaire en électricité dans le bâtiment sanitaire que vous voyez actuellement. Que vous voyez, regardez tout ça. Ils peuvent juste alimenter l'hôpital. Regardez l'hôpital, tellement est grand. Est alimenté par 14 panneaux solaires. Merci beaucoup. Merci.